na banyala kaka wana oyo baza komikota na libomba na kosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesangai autorisation na deklare kere bango aba. Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs. On va commencer cette émission Bandeko avec l'élection où est le lobby. Bah, centre nous c'est après quoi qu'il bah candidat jusqu'à 17h lobby toko yeba le nouveau président. Alors déjà Masoulou s'est préparé. Alors centre financier a inauguré et puis centre Oyokaka hospitalier université Renaissance inauguré. Masolo kitoko. Et puis on va parler de Katumbi. Bokoyo kaba révélation. Quand on a point de bandeko, Bokoyo kaba accusation. Oyo bemba alobi sur Katumbi. Azolinga a infiltré système à Séné, obisoto benga ka cyber attack. Donc bakota vraiment na katia et à Nine à Séné pour ba publier ba faux résultats. Tous à la connecter. Deuxième point chez téléspectateurs. L'armée rwandaise de Kagame vient de quitter la RDC, mais mise en garde, bah jena bango, bango ba kei, bah yé la biso 1-23 moussous. Tous à la connecter parce que Fatia Timbeli bango déjà, alors ils assomment mon émission yo. Donc on développe ensemble. Bandeko, émission na biso bandi et comitant tout sur la masolo yambouko. Chers téléspectateurs, tu as eu directement l'élection où tu as la lobby. Et pas où tu as eu le bon gamin. Partout, tu as eu la livraison. Donc, tu as eu le caca. Il y a eu le caca. Tu as eu l'armée égyptienne, tu as eu le caca. Mais l'avion, tu as eu le C-130. Ils ont délivré partout. Donc, livraison, tu as eu le caca. Donc, partout. Ma camion, tu as eu le caca en ordre. Il y a eu le caca de manipulation. Banguna Congo bazo préparer makambo ebele. Bandeko mboka na biso ezo ke na direction a bien. Yango campagne si silaki yomoko yebi nani tango ke lobby okovoti. Makambo to lobeza makambo très sérieux pour na mboka to lingi RDC ke ne de l'avant. Makambo e bandaki e continue. Parce que awa tokolwe suba kama propagande awa tokomolo bande ba réalité ko sala ma partir ya lobby mboka ke na niveau mususu parce que déjà bandile. Alors le président de la république a kené ko inauguré les centres financiers pe centre hospitalier oyo ba pesi combo renaissance université renaissance oyo ex mamayim bande ko ezo laksa makamu okito ya onte saba kongole tato telema peyi oyo wuti musika soko tali hopitalo andenge zalaki mukonza wite base zaba soins médicaux lokwa no kotsa assurance oyo ya bakongole bazwa ba soins ofele tikato zana bopitala bien. Et ça m'a wa Bokoyo ka ministre ya santé pendenga lobby. Alors ça m'a wa prête ko kende na centre financier kunande masola ko sakanate. Et ça va ninga baya noki. Parce que masola centre financier kaka na pokwa wa. Et ça qui somme. Mais tout ça tu expliquer. Alors maintenant centre hospitalier Kinshasa ya ngwana. Mokonza mboka abongisi yango pona ba kongole badzwa ba soins médicaux moko ya kibalamu de base ete kongola bana kofuta lisute makambo ebele ba obongisa mais
Ezo kene malembe. Toko koma plaswa na bo umona binu moke makamunyoso eko salam. Alo, sans plus tarder, to bandana nuna centre hospitalier, après toko yana centre financier. Bandeko, bozo mona na kote wana, parce que tu as ma kambu ya attaque ya ya semi tu as une ma kambu élection après. Alors fachi au centre financier et puis centre hospitalier mokozamboka en tout cas a sali grand boulot son hôtel centre financier oyo na zotala bandekoza au sakanate les mêmes bango batonga ki oyo France osomona. Et ça là qui na Louvre babite kune za ba musée fo ba longola na Louvre ba keno kote musalo ko kune umela ki 250 donc mais pas na biso mbala moko makambo sidi donc c'est la Turquie alors ma solo betami yangwa de tongi bani na sa mabele nde bozo mona ngwana ba banda ngo na sa mabele après ba yi donc ezo apena forma ko sakanati ah non non, propre. Et puis, ma solo kitoko. Y'a tout ça, ma Congolais, tout est lima. Pays Oyo, eza pays moko, avenir, eza kitoko. Mais il faut tout mona musika. Alors, société Oyo, ba sali yango, et puis, bango ba okotili sou na 145 territoires. Mais toujours y'a na poana. Toba nan na centre hospitalier. Centre hospitalier, le président de la République, a komaki ba yambi et puis a talandi a koti en tout cas a inaugurer ngo kitoko ya to sa ba congolais ta makambo za bien awa to tele mapona mboka soko mono hôpital ndenge zala kina ndenge komi okondimati allo to lana mwa be sur hôpital après to koyana centre financier l'inauguration sera présidée tout à l'heure par le chef de l'état et ça va se passer la nuit l'RTNC sera là pour la retransmission en direct. Mais pour les supporters, c'est de gagner. Je suis en colo, pour y avoir le loup, moi, mon colo, moi, le long, dingue, RTNC, c'est quoi, en Sabino, Nabili, tout l'Olanda. Je voudrais rappeler à votre excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre excellence la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. Je voudrais rappeler à votre excellence que ces aînés qui nous ont précédés et ces aînés qui nous ont montré la voie d'une gouvernance institutionnelle ont également demandé une récompense. Voilà pourquoi nous sollicitons à votre excellence la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des illustres personnalités de notre hôpital, dont certains à titre posthume. À l'occasion de l'inauguration de ce bijou, ce bâtiment beau, grand et imposant qui est ici devant nous, qui marque le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence celle de la refondation du secteur de la santé en République démocratique du Congo, permettez-moi d'exprimer mon immense joie et ma profonde gratitude, en même temps de rendre les hommages les plus déférents et mérités à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence
de construction, ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. C'est elle, toujours omniprésente, et pour accompagner du garant de la nation, le départ du président de la République, le départ du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en moins de 3 ans, autant de réalisations à mettre au profit de la population congolaise. Nous disons... Alors, Bandeko, tokati kokata, parce que, en tout cas, tout ça, l'émission, moi, tout tient mon bien. Donc, quand moi, point important, Boulandi ministre, il y a santé, n'dinga expliqué. Batiki paye un état moko ya kokufa. Ba Congolais ba yibo hôpital n'dinga, koma bande kwa kino ba ola n'émission ba yema kamona zoloba. Hôpital koma ki mawa tro, okondi mate. Mais mokonza mboka lo yako tiko hôpital oboyeti. Ba kiko tongela biso ba cinquantenaire. Ba kiko tongela biso donc son na zotala ti ba cinquantenaire on peut pas foutre bela mbongo. Alors que hôpital de référence batiki on kandimba. Le président de la République kaka wanate ba kako kolo ba place ebele. Et puis les mêmes batu ba sa ba travaux en ebele ba kokoti pe na 145 territoires pour na mboka oyo. Tala. Et de ces eaux changées. Bah, moni baba na kotonga. Omo na mena gombia ba immeuble belé kako ba toa ba paya batika. Colonisation. Rien n'a changé. Il y a un groupe batu qui Congo en otage pendant plusieurs années ba bendi ba lato. Mais nzamba lubi na kotinde la bino moko akoya ko bongsa mboka. C'est ça biloko tozoluka. Je ne sais pas ma prévenir toluka. Que nous avons Oyo Azul Kabon Sambouka. Non, ce n'est pas possible. Pays Oyo, Eza pays Moko, en tout cas, Ezo Senga ba Congolais ba telema vraiment. Moka Oyo, Eza na ba Kamwe Bele Nakati. Tolandi biso nyonso wana. Talandige komi kitoko. Ba Congolais, place yango na ba kobeta masou. Alors, je m'excuse, Kobeta ma sauté, mais place où Bamina Kobeta ko traité batu. Donc, Oyo Kakamasola, bien batu benda, bat du vrai traitement, pe Congolais se pile. Passe to souffrir. Batu baske de os, foba kende, mona moutou, aki Afrique du Sud, bat traitement non, ma kamunyo se koma na Kinshasa. Bande gonde basali centre wana, ndenge mon moderne, mais to tike on abino. To komo kende si ko yona, centre financier. Santé financière, banel kolare, batonge on pana in année simo. Bon comprendre. Les mêmes France a tonga pe centre wana, et bazaki na Louvre, ba keko tonga ya sika. Kaka bango tu batonga ke mesali bango plus de 2 ans, 5 ans. Donc 5 ans, 2 années ako bongsa nini, mais 5 ans pona kosisa makamu nyonso. Mais biso kaka in année et simo. Botala. Alors, ma kamwe ke bien, tu suis un centre financier, pas ou ma kamwe se kozala. Pays ou yo, e kozala bouyeti. Monde zo changé. Batu fuma mona musika. Tu suis président ou yo, a yibi ma kamwe bele. Tala. Kitoko. Alors, tout tala. Inauguration. Tu yo kande mo konzambuka lobi. Pour partout. Ha, ma solo ya ngokaka. Alors, avance. Bandeko, le chef de l'État au centre financier de Kinshasa. Donc, tant que vous êtes là, biloko aboye, vous êtes clairement, et vous êtes bien.
mboke za kitoko. Donc le président de la République ye moko akeye pi ba pesye kado mounite ya mopanga moko moulaye. Alobi oyo pena na obunda na batyo baza contre mboka na biso banguna Congo bagoyoka yango. Alors président Fachi azane esengo parce que oyo eza rêve et salami ezo sala plaisir pona ba Congolais tolanda bongo après to commenter na kati ya Congo démocratique tafukana na kati ya inzo yai samu na kopesa kikesa Kingolo, nyoso tambola na mutini mosi ambote kekota na kati ya ntomosono beto nyoso. Centre financier de Kinshasa. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les diplomates ici présents, les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'entreprise Milvest, cher Turan, Mesdames et Messieurs, distingués invités, une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité par le concours de ses filles et de ses fils, et au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots, c'est possible. Par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. Visible en tout cas pour tous ceux qui viennent ici et surtout cette transformation qui s'est opérée cette dernière semaine. Alors là, le patron de Milvest va offrir des cadeaux au président de la République, un échange des cadeaux, un moment important en tout cas, voilà. Et remise des cadeaux. Les photographes, soyez prêts. Que le ministre d'État du Budget et le ministre des Finances se préparent pour leur cadeau à offrir au président de la République.
Match de top. Oui, ça pour aussi la nana Banguna ya Congo. Chers téléspectateurs, tolandi biso nyonso bandeko. Et ce sala du plaisir, tant on a zo tala na bi. Ah! Et des nabiso. Et parce que tala bandeko biloko boye et sala ka bien. Et zo lak sa batwa zo mona musika pon avancement mboka, c'est l'économie. Bwana makamyon sa finance gozala wana nyonso. Ba transfert, ba transaction internationale, tout à la. On mon santé financière na biso. Ba pays voisin. Ba ngon nyonso wana. Ba koko yape ba lobite. Toko taka na kati wana. Ba ngon pi makamyon sa kumotambolana. Kinshasa, na avenir. E koza le sande to mona ka Londres. Et sa centre financier mobi ya munene na ba pays européens place ma kamyoso le kaka. Alors wane kozala centre financier africain. Et osa souki Kinshasa te un jour. Parce na ndenge to so ke na vitesse to ken. To sa un grand pays. Et lo bo bo sana. Bo mona centre financier ne ko koma na makama minene to landi. Moko zamboka lubeze sengu beto sala ya mingi. Le plaisir d'être congolais. En tout cas, Fatio Zopesa tu posa kozala congolais mikolo. Congolais nyonso azana posa donc vraiment na bokuto babayaki mboka bazongi. Bandeko depuis Fatio koti na pouvoir. Ba congolais ba komi na plaisir a mboka na bango. Makamono lo ba bebele ba yebi. Ba 2015, 2014, 2016 ba Congolais bien mboko soki to teka ou to teka ou kaka to sudo baye na biso mboka ou ba ta diaspora bele ba baya ki mboka me lolo so ola na bango ba zana posa RDC ya kosakana ti do facha zongi si nyonso e pi mboka ezaki na ghetto e bani kobima biloko abo ba centre financier ezawa Congolais la muka tika kulala alo wana ezalaki le centre financier masole betami Congolais sepeli. Alors voilà cadeau Fatia Elibisu 2023. Bana mboka to sepela. Wana to tiga ngona bino to komo ke bolani na lobina suka ke mopango ba pesi ngai. Yangone kolanda banguna Kongo be enemia Kongo ba komona ka mopango na kolanda bangona yango ah Fachi masolo kitoko. Alors to komo kende na deuxième partie. Andeko aweza somo. Katumbi azana problem sérieux. Katumbi makama passeport bozoyo kabome bemba fungoli batu yam. Bemba expliquer ngwa leka ki na chaîne mso na Kinshasa bemba fungoli biso. Bemba alobeli ba congolais vérité. Trop c'est trop. À quelques jours élection bemba lobie ba congolais Katumbi akosi ba Congolais. Ba mensonge moko clair pe a expliqué eza pena solo. To sera mo extra bo yo kadon a lobi pene a solo. Non, ce n'est pas possible. A zolo ba Congolais, makambo ye oye bemba lobi. Tala bande couleur grave. Tango a zolo ba yango o talo lobi non. Où est la possibilité? Parce que passeport wana zambien azala kina yango atiki passeport diplomatique le azaki gouverneur na 2013 azaki na passeport diplomatique en tant que gouverneur azaki na passeport diplomatique et congolais, mais à Tikiyam. À qu'États-Unis n'a passeport zambien, c'est-à-dire, moté mana ligne n'est congoté. Donc, à Zagi n'a passeport zambien, le problème qui est là, et Zaya Koulak, sa Koulinga ka Edis. C'est que même Balga démontré.
Bango ba sepel nango te mebemba lobi ba congolais vérité peuple fayeba. Omoni passeport wana a jongo visé États-Unis, il a voyagé avec ça. Mais ça n'a passeport diplomatique congolais. C'est tout ça qu'on imaginait. Alors tant que tala apia akobo lo ba mikolo yemo ko bolanda ki ke il n'a pas un passeport zambien. Est-ce aux hommes na te aux kosa? Ce qu'on monte à Zokosa, il n'y a pas voté. Non, ce n'est pas possible. Encore plus loin. Passe à ma camounio, c'est bimi. Katumbi, n'a ma camba 1-23 à Zanakati. Mande comme ma camba Zaminene. Donc, yé, Kalonda, a zan en contact na 1-23 Batakagan. Donc, yé, yé, bien voté. Kalonda ezayi. Kalonda zo zare. Na makamba invento. Siko. Oso mante ka zo kosa ka ba kongole. Azane mutakagami. Encore. Azako nou prepare cyber attaque. Donc, ba infiltre na katia système aseni. Ba publie ba faux résultat lobby mercredi. Congolais, la mouka, Katumbi va voter. Comment ils ont infiltré jusque là la CENI, cyberattaque, où ils ont en Europe, ils ont eu un sacanaté, donc ils ont attaqué, même place aux autres, ils ont appelé ma Koufi. Na pays, ils ont eu un numérique, ils ont eu un niveau, en tout cas, Nzambe kaka. Parce que les Russes, ils ont eu un côté, ils ont eu un Américain. Eh, Bolanda ki, ba kotele ke mwasa Clinton et tout ça, bon so ba koti na sini. Katumbi, ba senga mbongo e bele. Nde ba za ba zo luka, tu akokota. Yango so ba yo pe so fo, resulta kondi mati. Pour le mwambe informaticien na niveau sini, ba za ko sala grand boulot. Be expert ba za wana, ko sive fichier na biso. Bazo luka pena ba kota mikolo ba atake zaki ya usakanati. Ba do zaki ya zaiko meka deja. Apese bonja mbongo. Do bao luka basa la tu. Kongole la muka. To riske leksyo alobi pena yo kakakao. De para grasse de Dieu ko salamati. Pase di je se bimi. O e bimi komi nangu sans effet. Alo. To landa ekstre oyu. Bongo to avance. Oh mon Dieu. Élection à jour 2. Bemba accuse Katumbi de financer une organisation russe pour infiltrer le système de la CENI et truquer les résultats. Donc à sa capable à côté, il peut mis ma faux résultat, peut va publier. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba a accusé le candidat président de la République, Moïse Katumbi, de financer une organisation russe dont il n'a pas révélé le nom, pour infiltrer les systèmes électroniques de la Commission électorale nationale indépendante et truquer les résultats des élections du 20 décembre. Dans un entretien accordé ce lundi 18 décembre à Top Congo, Jean-Pierre Bemba a soutenu son propos par plusieurs tentatives d'attaque qu'aurait subi les sites de la centrale électorale de la FDC. Donc, a préparé Katumbi a préparé à attaquer Ninabiso. C'est quoi? Pandeko, tant que mon avis le kaboui. Bonjour, mon avis que l'air est grave. Azamutumabe, il n'est pas congolais. Parce que, ce qu'on a congolais, au coco sala EDC mabe jusqu'à ce niveau. Paramboka. Jusqu'à ce niveau, au trahir mboka ndengewana. Donc, ezako sala biso bien ti. Kongole nyoso aza mal à l'aise. Tango azoyo kababilo kabui. Alo, Bemba, mise en garde à Katumbi. Bandeko, ke aye ba ete retoure ko zalama be. Yangona ati kalera ngoyo. Parce qu'il y a des preuves.
Boko risque le mercredi mon meko sala maté passe ba congolais ba zo prier. Mais est grave. To landa mo exile oyo. Bon to avance. A confirmé le jour j'ai demandé au niveau de du stade Massina qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. Ça qu'on demande à un président. Plus grave encore, lorsque le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province du Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province, en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo, et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il avait aussi, il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous n'avez aucune, vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Il est venu avec 250 000 dollars. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption, chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour laquelle il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de... ou proposés, en tout cas, à coup de 500 000 dollars, 200 000 dollars. D'autres également ont reçu plus de 1 million de dollars. C'est ça, je veux dire, que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire, pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Mmh. Or, que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Je vous donne deux exemples, et le Katanga, nos frères du Katanga connaissent ça. La compagnie First Quantum. Qu'est-ce qui se passe? Canadienne. Ce monsieur gouverneur, dans ses opérations, réclame des marchés de la sous-traitance. First Quantum dit non, il n'est pas question, ici on ne va pas l'appliquer. Eh bien, il fait fermer cette entreprise, il a fait saisir. Lorsque l'entreprise se plaint au niveau des tribunaux, on la dédommage avec 40 millions de dollars. Le monsieur revend l'entreprise à 500 millions de dollars.
Je vous donne un deuxième cas parce que vous êtes très pressé, mais il y a toute une panoplie. Le cas de Mwamba Kabasele, qui avait une mine de coltan au niveau du Katanga. C'est ce gouverneur-là qui va arriver avec une bande de voyous pour piller ses stocks de cobalt, ravir la mine simplement parce qu'il avait le défaut d'être kassaïen. Voilà le type de personnage que certains veulent voir gérer le Congo, et je dis ça, c'est pas possible. Il a gagné les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi ? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veux-tu dire qu'il n'était pas au courant de ça ? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a 3 mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici, je connais les noms de ces personnes qui le financent, et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça. Et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats. Parce que maintenant, je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles, mafieuses, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour rétablir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Pas de quoi clarifier ce que tu as dit de ta bouille. Mais quand vous avez dit, donc, à foutre l'ONG en russe, nous avons une organisation qui a été paralysée, qui a été une cyberattaque, qui a été paralysée. Donc, on a été paralysé. Mais comme ça, maintenant, il est ici. Aza d'échec déjà, parce que tu as un bateau qui a une qualité. Parce que si tu as un bateau qui a un niveau de qualité informatique, au bisou, tu es très bien. Donc, si tu as un expert déjà en place, et là, on monte au salam. Baza ko lande la signo na signo. Baza place bazo lande ba server a seni ti de près. A komona makamu na ye. O nyon so zo luke panabiso e ko simbate. Alors, bana mboka, tala oyo katumbe a prepare pona kokota na seni a détruit makamu election lobby. A pesi bango diambongo. E pi,
bolandi wana que même bateau yo bateau nyonso ba sesanga ba banani ba matata mpo bateau nyonso azuzui apese bon bambongo ba 500,000 en tout cas bandeko nazavro ko féliciter Fayulu na Denis Mukwege d'abord ko mbongo katumbi pour ba kende kuna. Félicitations à Bango. Il faut que Bané soit celle qui a bien fait Nima. Moukouek a boué la Hanaï. Fayulu a boué la Hanaï. Bah, qu'est la marque na Bango? Mais même Moukouek a tiki na aimé. Bah, bon, on a la Rouen. Parce que quoi, n'y a kota? A jupe mbongo. Mais ma monique, c'est bizarre. Soto zala bat, mais ça qui toko ou l'axe bloc en dingo. Alors, maintenant, t'as les belles mbongo à zo pesa batu. Bah, région. Donc, y a zo zongo le quoi bah faire. Makambo asala na katanga. Donc vraiment bemba a lobi nyoso ponai. Et c'est ce que soto talabi loko boy. Et c'est ça qui tout. Ba congolais to la mukako. Pays oyo eze sous pays ba kosa bisoti. To tellement pour l'intérêt de la nation. To tellement pour na mboka. Eza mawa. Ke opesa ba mbongo ningwana. Mais c'est trop. Alors, ce qui est au tala, le Congolais, vous avez dit que les regrets, donc, Katumbi a fait financer tout le monde. Alors, Bemba a fait le Congolais. Donc, vous avez dit Katumbi, vous avez voté à Zata. Oui. Et cela, c'est clairement lié à RDCT. Ma Kamunio, c'est Bimi. Comment est-ce que vous financez? Batmo baya kapo ba détruire semi o tia batu kao. Alors, ba Congolais boye belaki, azane Congolais di. Le regret pays o yo kwa avance pe ma sole gozala kitoko. Alors, wana, premier parti to l'andi très bien. To komo clôture premier parti parce que, en tout cas, et salmenga pasi makama katumbia. Congolais, tu y a quand même mission pour vous comprendre. Nano s'abonnete, s'abonner les rangs. Alors, tu comment tu kangona bino, tu comment kena point oyo yasuka. Bandeko, tu comment na point na biso oyo ya armée rwandaise, ba bandiko se retire à l'est. Alors, c'était annoncé, déjà annoncé. Mokoza mboka, en tout cas, l'obéle ba makasi. Ma kamba sola na ba américain tout ça na bango tout ça pression ba américain tout ça mais facha lobby wana to nane bandel totala so ba ko respecter pene yango bien accord à Luanda na accord ya Nairobi c'est-à-dire Kagame retire ba soda ne nyoso na territoire etis et lobami ba moni ba bimi na quelques territoires. Si vous avez dit Magnonso, vous avez dit Rwanda. Mais, mon konzamboka yé moko a lobi li kambo ouyo. A lobi bien ke ba nyangala kata wana ouy ba bimi si kawana. Biso ba tout lobi ti. Clairement, ete, mon kolo ba kom me kakaka, parce que ba Jacques Kagame. A longoli ba sodana yé, soi-disant, à quel soit côté na 1,23 moussous. Bah, le vite, le cola ou est reversé, nanga, yagato zoyo, te utilise au nanga, na bise komi, bah, congolais. Et bise vite au loba nanga, za congolais te. Pour soi, za congolais, kondimate, ki a bon ma bande gone, pona ba carré minier. Parce que guerre à l'est, c'est ça, pona ba minerai. Voilà! Asamu utu akangame do barwande tous. Alors, bana mboka tala, soto otala fenomeno yo, to fungo la misu. Confirmation eza ya solo, babani kobima. Mais, bako beta tout kuna, ba yeli biso sko groupe mousousu. O biso a, biso o fleuve Congo. Ah! Anza benanga ye. Non! Fleuve Congo, eh!
boyepe ebolo ipe kiwaza branche à M23 ensemble tout ça bosangani na makanika na sud qui vous tout ça bosangani biso peto ndima ba congolais batu bazama be ya te sa congolais bola muka l'air to za l'air za mabe totang chez téléspectateurs. Ce qui est au dossier, l'armée rwandaise de Kagame vient de quitter la RDC, mais mise en garde sur AFC One. AFC One, Oyo ya Kone Nanga, mise en garde des éclairs. Ce qui est quitté, c'est que Simba Mutuba Nyonso pense que tout a déterminé. Alliance Flive Congo, et comment est-ce que l'homme va crier pour bailler la psoba dossier moussous. Yena présent Ougandé kande moko. Allo, bango na Ouganda, armée ougandaise bango na pe bazo kite, bo tu ba kite, et bo ye ba ete mboke comme le ba système ministre de défense eko expliqué bisou. Ye mou mou konza mboka le ba ki nan jili, ete bo bangati. Oye toza nango pour le moment toza na biloko makasi. Toza ko mona me kote ba bazali. Ba drone na pse ko kapte place bango tout présent rwandais na ndaku ne ba tout nyonso. Et puis, ministre de défense a levé tous comme na ba matériel moderne. Mokoza mboka mise en garde o eza clair parce que bozo ka armé o babimi, mais ba sali na bango kakaji. Biso peto yena ce ki babimi na bango ti. Et ça, quand j'ai, bah, américain, bah, mon, ah, voilà, bah, tous ces, bah, américains, bah, on va cueillir après, bah, il y a un système, ou sous, y'a Nanga. Y'a Alliance Fleuve Congo. Nabi, si, moi, côté. Bah, de côté, là. Et ce, ça, la passe, n'est, mon, les, mon, son, natal, n'a bien, à mon pays. Non! Et ça, ma, wa. Congolais, tout, la, moukako. Bah, tout, bah, kosi, biso, mingi. Alors, voilà ma kambango. Tolanda extrait oyo. Il y a armée rwandaise de bakiti. Bongo to avance. On va attraper, mais en ce moment, les forces rwandaises sont en train de se retirer de beaucoup d'opposition. On n'en fait pas encore cas parce que nous ne sommes pas naïfs. Les choses pourraient retourner, mais en tout cas, nous observons un cessez-le-feu et un retrait des troupes rwandaises de certaines positions. Veut-il dire que les choses vont aller et vont continuer dans ce sens? Mais si ce n'était pas le cas, bien sûr, nous sommes parés à toute éventualité. Mais je suis fier de ce que nos forces font sur le terrain. C'est vrai que nous ne communiquons pas parce que nous n'avons pas à communiquer sur les victoires comme certains le font à chaque fois qu'ils prennent deux Kalachnikov et trois petites grenades. Mais je peux vous dire que nos forces sont en train de s'appliquer très fort. Mm-hmm. Je veux dire que c'est quand même l'actif du président de la République qui a consenti beaucoup de moyens pour la formation, je veux dire, de nouvelles troupes dans les centres d'instruction qui sont ouverts et l'acquisition d'équipements modernes que beaucoup de pays africains certainement ne possèdent pas. Bandeko Tolandi Bakiti, ministre de la Défense Moutaloubian. Mais, à l'objet, mais mon raison. T'as la batouille. Mon kodamboka l'oba ki batoua nako. Ndenge fatia lobi. Eh, t'as la batoua n'a pas à ma bi.
oyo tuana baye ba ete mokola ko djaka ke loko moko abambika na EDC ba ko vivre. Et puis quand Fati dit ça, je le bango clairement. Parce que ma solo ba tsola ki ayibi ba soli très bien. Ba jena ye présent Rwanda. Alongo na M23 a komo ye la ce susu Alliance Fleuve Congo. Kaka ye Rwanda kaka. Ako tika mboka na biso te. Me biso to ye bi amu koza mboka revese bango. Alobi ke ezaka Kagame le patron ya Alliance wana ananga. Mena eza ya kuyinda na président Ruto. Président Ruto aza mena attaqué partout vraiment monde nyingani. Balobi jamais akoko accepter batwana batwa bagoza si le sol Kenyati. Bagoza la wapi? Ba katsaka na Uganda ti. Ba frontier. Ba kena Uganda. Oh. Baba ne maso na bon. Ba yele bise susu a Alliance wana. Tala batoyo umona preza Uganda wana ndenga zo bata ma. Batoyo bazo prepare makama bi. Me ba ye ba eti. Armoto o ba mba ye bela kize subongo te toko makasi. Tsa di toko lancer roquette place nyoso doza. Et puis, il y a un comme la technologie. Alors, avancement, tu comme une angoisse à il faut vivre biso. Alors, voilà la situation. Il faut vivre pour l'intérêt. Le pays où ils ont besoin de tête, ils ont besoin de bateau, ils ont besoin de simba ils ont besoin yango tola muka pour l'amboka. Et en tout cas, ça congolais que le pays n'a pas dit ça avancé, mais bison de tout passe, surtout au talent, au monde armée rwandaise. On va quitter quelques vies, mais ça va aventure. On va confirmer que le pays n'a pas dit pression paye, c'est comme ma casse, mais le président rwandais a vivre sans bison. Mais Mbala a vivre sans bison. On a place, il y a un pouvoir. Situation est grave dans Rwanda. Penana ko dirije biso, pendeni RDC. Makama bien kouya. Me, to kangama. De père et de mère, ma solo na ko bosanati, mwana mboka ifaza lo sommet de l'état. To landi biso nyoso bapaya, makamba osala. Ma poati bangwawa. Yo la moka. C'est à ce point, to komo clôturer mission na biso. Bon, continuez ko s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.